Salut les gars, ici Snapper V, merci d'être là encore une fois. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau holster pour mon Glock 17, le vrai Safari Land 6004. Donc restez là, ça va être intéressant. Bon, bienvenue encore dans mon vidéo du Safari Land 6004, le Wild Deal, donc pour le Glock 17. Mais moi dans mon cas c'est une réplique d'Airsoft. Donc on va commencer par voir s'il y a rien en chambre. 13. Donc, commencer dans le fond l'étui en tant que tel, très résistant, très solide. Donc, elle n'écrasera pas si c'est de quoi si on tombe à terre ou on se roule ou on rentre. Donc, très pratique. À l'intérieur, ce que je trouve très pratique justement, c'est que il y a du duvet. Donc, je trouve que c'est un must. Parce qu'au nombre de fois que, même dans les pratiques ou dans les games, qu'on sort et qu'on rentre notre réplique, donc ça fait juste protéger. Donc je sais pas si les répliques, les Safari Land de Made in China, s'ils ont ça dedans. Je pourrais pas dire. Donc, mais en tout cas, sur la vraie de Safari Land 6004, il n'a, je trouve que c'est un must. Donc l'anneau de rétention. Et ici, on pourrait appeler le thumb break. Donc, il est mou. Facile d'utilisation. On pèse, on pousse. Donc, ce qui est le fun, c'est que il y a une vis ici. Donc, c'est pour régler la tension des tuyaux. Donc, plus qu'on visse, plus ça écrase. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir l'anneau de sécurité en haut. Je suis sûr qu'avec l'anneau, mais on ne pourra jamais sortir l'arme, là, c'est hors de question. Mais si, mettons, on est dans le feu de l'action ou qu'on sent un contact imminent, on peut le laisser ouvert, prendre les devants, même si c'est pas long à ouvrir. Là, mais on peut le laisser ouvert et il ne tombera jamais. Donc, je peux vous le montrer. Même ici, là, retenez le holster. Donc, il ne bougera jamais. Donc, on peut acheter cette tension-là avec la petite vis ici qui est une Allen key, si on veut. Donc, très pratique. On peut le mettre plus résistant, plus dur à enlever ou bien comme plus facile à enlever. Donc, un autre must. Tant qu'à moi, le mien, j'ai décidé de le mettre moyen. Donc, faut avoir une pression quand même pour le retirer et pour le remettre aussi. Donc, on sent que c'est sécur. C'est sécuritaire, on sent qu'il tient bien. Et même si on sent que c'est un peu serré, on a quand même l'impression, puis c'est un fait dans le fond qu'il est bien enveloppé vu qu'il est dans le duvet. Fait que ça ne regarde pas l'arme, fait que c'est un autre must pour Safari Land. Le thumb break il est facile d'utilisation. C'est un SLS, donc il sort bord automatiquement. Fait que quand on a pesé dessus pour l'ouvrir, puis qu'on a poussé par en avant, quand on le remet, on a juste besoin de retirer l'anneau aussi. Donc, il sort bord automatiquement. Je vais vous montrer d'un long angle. Puis, il sort bord, puis là, on peut plus l'enlever. Donc, je trouve ça bien. C'est sécuritaire. Moi, j'ai déjà possédé justement le Sherpa de Black Hawk. Puis, justement, il n'y avait pas de duvet dedans. C'était plus facile d'accès parce qu'il y avait le piton sur le côté. Donc lui vraiment, je le trouve plus sécuritaire, mieux adapté pour mon Glock, j'imagine pour les autres armes aussi. Donc côté confort et sécurité, Safari Land, il a haut la main comparativement au Sherpa. L'anneau qui sécurise l'arme, dans mon cas le Glock 17, la réplique d'Airsoft, on pourrait peut-être penser à ces photos qui est rigide, mais non, elle est flexible. Donc c'est parfait comme ça. Pour le dégainer, on pèse, on appuie vers en avant et on peut tirer. Le mien, évidemment, ben, il était noir, puis je l'ai peinturé en tan. Donc, comment dit, j'ai utilisé trois couleurs. J'ai utilisé le kaki de Krylon, j'ai utilisé le muscade et l'origan de la marque Rust-Oleum. Donc, on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais il y a des shades, là, des tons de couleurs dedans qui verdâtrent un peu.
puis il y a du le muscade, on le voit un petit peu ici, plus foncé, mais à l'état brut, on le voit mieux. Donc là, à cause de l'éclairage, c'est pas fameux, j'utilise un éclairage artificiel, fait que c'est un peu dur de montrer vraiment le résultat qu'il y a, mais en personne, on voit mieux les couleurs, puis c'est mieux, en fait. Fait que l'origine est à noir. Donc, ce que je trouve pratique, justement, c'est que les bocaux sont flexibles, mais tu sens que c'est pas du plastique qui va briser si tu pèses dessus, comme des répliques ou des choses faites des autres pays. Donc, c'est très robuste. Les coutures, on voit, sont doublées, très solides. Donc, ce qui est le fun avec ce système-là, c'est que même Black Ork, ils l'ont. C'est... Il y a une espèce d'enduit, c'est une bande en arrière qui colle à la cuisse. Puis c'est pas collant à rien, mais c'est adhérent. Donc, si on le met sur toute une longueur, qui entoure la jambe, ben là, ça bouge pas. Donc, je trouve que c'est un must là-dessus côté adhérence. Donc, parce que c'est quand même, ça va sur la cuisse, sur le côté de la cuisse, puis ça a quand même un certain poids avec la réplique à l'intérieur. Donc, si ça adhère pas bien, si c'est pas serré, ça va tout le temps bouger d'un bord puis de l'autre. Puis comme vous savez, je suis pas un fan des choses qui sont mal installées et qui balottent de tous les côtés quand on court. Fait que c'est ma fin de vie, vous le savez, j'aime les affaires qui sont bien faites. Puis que tout enrobe le corps ou bien sur ma veste, comme vous savez, toutes les poches sont bien installées. Fait que y a rien qui tremble, y a rien qui balotte d'un bord puis de l'autre. Fait que le leg panel, il est parfait. Ça me fait penser beaucoup au Sherpa. Puis celui de Safariland, il est plus flexible encore. Donc, c'est un style d'ABS. Donc, plastique résistant, très flexible, qui ne brisera pas. Donc, je suis très satisfait côté matériaux. Donc, c'est pareil pour les tuyaux. En tant que tel, c'est du Kydex, c'est ultra solide. Donc, celui-ci, c'est peut-être pas un Kydex, mais il est plus mou. Donc, c'est mieux comme ça. L'étui Kydex, ici, on voit que c'est ouvert pour une seule raison, dans le fond, c'est que on va s'égarder l'eau dedans. Donc, le drainage, c'est à 100%. Là, tu sais, s'il pleut, ils sont pour traverser une rivière. Donc, tant qu'à moi, c'est. Un must encore une fois. L'attache qui va après la ceinture est ici. On a un petit anneau velcro, si on peut l'appeler comme ça, qui vient justement assurer qu'on peut ajuster la hauteur, qu'on soit sûr qu'on ait la dimension exacte de notre ceinture. Fait qu'on serre le velcro comme il faut, puis ça bougera pas. Fait que c'est un petit peu plus dur quand il est serré. À l'intérieur, cette bande-là, justement, qui s'attache après la ceinture, qui passe juste en arrière du Safariland, est ajustable à 100%, tout comme les straps sont ajustables à 100%. Donc, ce que j'ai fait, moi, quand je l'ai reçu, j'aime porter mon holster haut sur la cuisse. Fait qu'il y a du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent la première bande ici. Première bande, ils peuvent le porter plus haut, fait qu'ils se retrouvent juste avec un attache. Moi, j'aime ça le porter haut, mais je suis pas prêt à couper tout de suite une bande. Je vais attendre un peu, je verrai. Mais ça, j'ai apporté mon ajustement personnel dessus. Fait que la bande ici est trop longue. Fait que ce que j'ai fait, on peut l'ajouter, fait qu'on a le trou de la ceinture qui rentre ici, mais moi, elle était trop longue, fait que elle était comme ça au début, mais le bout ici, t'as pas coupé, puis est arrivé ici, fait qu'il est totalement ajustable. Ce que j'ai fait pour l'avoir plus haut sur ma cuisse, j'aime pas ça de l'avoir quasiment au genou, je trouve que on n'est pas confortable avec ça, puis j'aime mieux l'avoir plus haut sur ma cuisse, qui est facile d'accès quand c'est le temps de dégainer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai replié encore plus. On voit ma marque de peinture. Fait que c'est comme mon gauge. Fait que si je l'avais pas coupé ici, il aurait dépassé à peu près de 3, 4, 5, 6 pouces. Fait que ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai coupé. Puis je l'ai brûlé avec une chandelle ou un lighter. Donc ça revient à l'état normal. Puis
Il vient restant, le nylon ne s'effiloche pas. Le nylon, tout le monde sait que dans le fond, quand on le brûle, il vient comme un côté plastique. Fait que là, dans ce cas-là, j'ai pu l'avoir plus haut sous ma cuisse. Fait que, il est totalement ajustable. Tout est démontable dessus. On a les vis en arrière ici qui attachent les tuyaux. Donc, on peut l'enlever. C'est pareil pour les deux vis en dessous de lui qui tient les tuyaux ici. Fait qu'on peut tout le démonter. On peut avoir accès au mécanisme. Il y a deux vis aussi. On peut huiler nos parties. Donc, moi, je l'ai tout démonté déjà. J'avais nettoyé. Au cas qu'il y avait du sable dedans, il n'y avait pas, vu que je l'avais pris sur eBay usagé. Donc, c'est usagé en très bonne qualité. Donc, j'ai eu vraiment un vrai deal pour mon étui Safariland. Donc, je ne voulais pas aller vers les répliques. J'ai déjà eu une fois une réplique, que un moment donné, c'était la réplique pour mon Serpa. Que un moment donné, j'avais acheté la vraie version de Blackhawk Serpa Level 2. Puis, j'étais satisfait quand même pour la réplique, mais je voulais là le vrai Safariland 6004. Donc, je suis vraiment pas déçu. Pour le prix, je l'ai payé. Je l'ai payé 81$ US avec shipping. Donc, très satisfait. Donc, tout est ajustable. Moi, je l'ai acheté comme je voulais. Fait que si je change d'idée un moment donné, ben, il sera pas trop court mon attache justement pour le mettre comme je veux. Donc, je l'ai coupé juste pour qu'il pas qu'il dépasse. Fait que comme je disais, je l'ai tout démonté. On peut huiler les parties parce qu'en dedans, c'est en métal. Donc, c'est le meilleur plissement qui se fait. Il ne vient pas plus lousse sur rien, mais c'est contre la rouille, j'imagine. Mais, de toute façon, le métal doit être utilisé, ça doit être quelque chose qui ne rouille pas. Là. C'est quand même un holster qui est utilisé par les forces policières, par l'armée, plusieurs forces spéciales, ils ont ça, les nains-fils. En tout cas, fait que, ça ne doit pas rouiller, mais justement, il faut mieux prévenir que guérir. Moi, je les ai huilés, ça m'a pris 20-25 minutes pour faire la maintenance de mon holster. Fait que même pour les bandes qui entourent la jambe, la cuisse, tout ça, sont ajustables. Moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était trop long. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a deux petits bandes velcro, deux côtés. Donc, il y a la femelle et il y a le mâle de bord. Fait que, est facile à installer. On fait juste la côté, puis on tourne sur elle-même, puis elle adhère sur la bande. Je vais tout montrer. Je vais peinturer ça aussi. Puis en peinturant, crilon légèrement sur du tissu, ça dérange pas. Ça fait pas de. Ça rend pas le tissu craquelant. Donc il reste flexible, puis il sèche pas, puis ça brisera pas votre tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, je les ai achetés. Ils étaient vraiment plus longs que ça. Ils arrivaient à peu près ici. Fait que moi, j'ai fait le même principe. J'ai coupé, puis j'ai brûlé. C'est sûr qu'il faut faire ça dans un endroit qui est bien aéré parce que quand que j'ai coupé, ben faut qu'on brûle, il y a du caoutchouc dessus, ça sent un peu le diable qu'on pourrait dire. Fait que je les ai coupés pour justement avoir plus de bandes adhérentes sur ma cuisse. Parce que s'il était trop long, au départ, je ne pouvais pas avoir ma bande adhérente sur le contour de mes cuisses. Même principe pour celle-là. Fait que je l'ai coupé, je l'ai pas trop coupé. Je prévois pas venir gros, justement. Mais je l'ai coupé raisonnablement. J'ai mon adhérence pareil de tous les côtés. Donc j'ai pas tenté mes affaires comme que je voulais autrement. Les clips sont faciles d'accès, sont faciles d'opération, je devrais dire. Pace sont souples. C'est pas des clips c'est comme ma ceinture Blackhawk, ils sont durs, mais c'est correct, là, c'est pas une critique. Mais eux autres sont plus molles, c'est correct. Ça s'est jamais détaché. Ça fait pas longtemps que je l'ai, j'ai pas eu le temps de jouer en date avec. Mais sauf que j'ai fait mon vidéo justement avec. Je me suis pratiqué. J'ai fait un training avec, autrement dit, mais j'ai pas joué de game. Puis ça bouge pas. Mais comme tout ce qui s'accroche à la jambe, ça s'accroche sur la jambe et après la ceinture. Fait que c'est sûr, il y a du monde qui vont dire « Ah, ça bouge jamais », mais c'est pas vrai, ça bouge. Même si c'est des bandes adhérentes, même si tout est fait en sorte que c'est
les composantes sont de qualité, mais ça bouge. Parce que maner ta ceinture, elle va baisser. Quand tu cours, je veux pas, on peut pas négocier avec la gravité. Fait que ta ceinture, elle va. Ton holster, il est pesant, puis quand tu cours, ça donne des coups. Ça bouge pas, mais sauf que, pareil, je veux pas, la ceinture, elle va baisser un peu après nos pantalons. Fait que ce qui arrive, c'est que là, tes bandes, vu que tu descends sa cuisse, ils vont venir être lousses un peu. Fait que dans le fond, c'est de remonter sa ceinture, ses culottes, puis ça prend 3 secondes. Fait que c'est vraiment pas un inconvénient, là, dans le fond. Il y a deux paires de trous de chaque côté, donc on peut venir insérer des poches. Donc, soit qu'on ajoute des poches justement qui sont conçues par Safariland, ou soit qu'on peut se les fabriquer nous autres même. Fait que si quelqu'un a son Letterman, son étui à Mixtool, c'est facile là, de faire un trou dans le cuir en arrière et de venir attacher notre outil ici. Ou si vous avez des chargeurs en Kydex, en tout cas, il y a le mounting qui se vend qui est Picatinny Rail, donc les petites rails là, de 20 mm. Donc on peut attacher comment ce qu'on veut dessus. Fait que, moi j'ai décidé de mettre rien parce que déjà l'holster avec la réplique dedans, c'est un certain poids quand même. Fait que je veux pas m'encombrer, comme vous le savez. Là, fait que je suis plus mobile, donc je suis plus rapide sur le terrain. Le seul inconvénient que j'ai remarqué pour les répliques d'Airsoft. Donc, je sais pas si c'est le même pour les vrais. J'imagine que non, parce que les vrais doivent avoir un spring plus résistant dedans, plus fort. Donc, mais c'est quand qu'on le remet dedans. Si je tiens pas mon slide ici, qui empêche de glisser, ben il va monter. Je vais vous montrer. Si je le tiens, c'est correct. Fait que c'est une habitude à prendre. On l'enlève, on le remet. Donc, c'est peut-être le seul inconvénient que j'ai trouvé à date sur le Safariland 6004, mais pour les répliques d'Airsoft. Écoute, en finissant, le Safariland 6004, en général, j'y donne un bon 9.8 sur 10. Je suis très satisfait. Comme je disais auparavant, le meilleur holster pour ma réplique, mon Glock 17 que j'ai eu à date. Côté matériaux, tout est parfait. Les clips, c'est de la bonne qualité. Le nylon, c'est très solide. T'sais, cette bombe-là, là, on sent qu'elle est solide. Puis on a du velcro dedans en plus. Elle est totalement achetable. Quand elle est mise ensemble, on voit que ça reste droit. Là, c'est rien de fluffy, si je pourrais dire, là, mou, qui est lousse. Matériau utilisé encore une fois, c'est parfait. Tout a été pensé pour les forces spéciales. Dans le fond, c'est pas pour rien qu'il est autant populaire le Safariland 6004. Je comprends maintenant pourquoi, depuis que je l'ai justement le vrai modèle. Donc, thumbs up, Safariland, facile d'accès. C'est un bon 9.8, comme je disais, je peux rien acheter de plus. Le matériel, tout est achetable. Faire la maintenance, justement, comme je disais, du petit mécanisme une fois de temps en temps. Mais on peut utiliser la petite graisse, là, tout usage dedans. J'ai une marque que j'aime beaucoup, c'est la Slick là, de Permatex. Donc, c'est une graisse tout usage qui est très performante dans le fond. Là. Fait que bravo encore Safariland, merci d'avoir écouté ma review les gars. Merci encore une fois d'avoir été là les gars, j'espère que mon préau vous a satisfait et a été complet sur le Safariland 6004. À ne pas rater les deux prochaines vidéos qui vont être sur mon casque, donc les nouvelles mises à jour que j'ai faites dessus depuis mon dernière vidéo sur mon loadout en entier. L'autre vidéo, ça va être sur le SE Isula, un petit couteau ultra pratique, polyvalent, bonne qualité. Donc, ratez pas ça, les gars. N'hésitez pas à joindre mon groupe Facebook. Je mets tout le temps des photos inédites sur mon site, mes upgrades, mes achats. Donc, c'est intéressant. Il y a plusieurs autres membres aussi qui partagent leurs photos. Visitez mon blog, subscribez à ma chaîne YouTube. Likez, ratez. Encore une fois, lunettes, c'est important, les gars. On se revoit dans une autre vidéo. Ciao, merci.